Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur la chaîne que vous avez une information sans problème. Ce divisionnaire Jean-Bouissan Miotil a installé samedi 3 décembre 2022 dans la tête de direction départementale de la police dans la Tibonite. Commissaire divisionnaire Jean-Bouissan Miotil a déjà demandé collaboration à tous les policiers avec tout le monde dans le département pour couper les bandits qui ont des problèmes surtout dans la zone profonde. Un agent policier BLTS a perdu la ville dans Port-au-Prince. C'est un nègre examen qui a commis un crime civil. Juge instruction Guimi Tello libéré pour un petit bout de temps trois acteurs qui dans le système éducatif la Tibonite là qui étaient joints dans l'arrestation pour dossier coup fraude et corruption dans le cadre d'un faux fiche dans l'examen des taxes de passé. Parmi eux, Didier Pierre joint libération là pour un petit bout de temps vendredi 2 décembre passé. Coordination, alors la police, plusieurs unités spéciales en de la police, tant que soit à Udmo, à Utag, mené une opération à dimanche 4 décembre dans la zone Port Lafitte, Minotri, Axos Matla. Objectif intervention ça, à continuer toujours, c'est pour chasser groupe armé qui voulait qu'il zone ça en otage. On l'autre bord, dans la zone Savon Pistache, Bandi Gravigno, ta parti. On le fait encore des populations pour chasser plusieurs cailles à incendie dans le cadre de contrôle nègre Gravigno à chercher pour faire sous zone Cafoufeuille. 9 prisonniers qui ferment dans la prison civile dans la ville Jacmel ont perdu la vie à cause de pas joint de manger avec maladie. C'est le dernier bilan prisonnier qui a mouru dans la prison d'après les dernières informations qui viennent joindre nous. Coupe du monde football a avancé sérieusement mais après un match qui est joué à dimanche. Côté que gagne un bon résultat qui tombe, eh bien, jeudi lundi, gagne deux matchs qui programmés à 10h. Japon pour jouer avec Kwasi, Brésil pour jouer avec Corée du Sud, surtout dans le cadre de 8e de finale de la Coupe du Monde. Si là. Plusieurs unités spécialisées dans la police nationale, là, tako, soit Udmo, Atak, Utag, menent une opération dimanche, hier 4 décembre, dans la zone Port Lafitte, Minotri et Sousmatla. Objectif intervention ça a continuer toujours c'est pour chasser groupe armé qui voulait que besoin en otage dans échange coup d'armes qui te gagne entre bandits avec la police que plusieurs bandits qui t'a tombé avec blessé dans zone ça yo la police grâce avec unité engin lourd rivé déblayer route là et puis boucher gros trou bandits ont fait pour te empêcher progression force de rivé sur yo. Et sous instruction commandant en chef la France LB Gemblende qui a continué à faire patrouille sur route nationale numéro 1 dans le niveau zone pour la fito, minoterie Axos Matla pour continuer à couper bandits. Toujours opération la police, pendant que la police a déchouqué bandi dans quelques zones, mais ça n'a pas empêché dans l'autre zone tout, et bandi yo a payé taille banda. Dans la zone Cafoufeuille, balle continue à chanter chaque jour, monsieur qui gagne la tête, il appli, c'est son nom ça que tout le monde connaît, qui c'est chef groupe gang, Gravine, continue à faire tout ça possible pour profiter de faiblesse de la police nationale là pour tenter de reprendre le contrôle de sa bonne pistache qui sont quartier dans Cafoufeuille, que Bandi a jugé extrêmement important et pour eux-mêmes, pour capable mettre base au campé. Il y a plusieurs cailles qui passaient en bas flamme du feu dans plusieurs attaques qui fait hier dimanche 4 décembre. D'après ça, yon habitant dans la zone n'en fait qu'on est. Pendant que les populations continuent à prendre aide. Mais jusqu'à présent, la police n'a pas fait rien pour eux puisque rivoyen yo pas de aucun renfort qui vient joindre yo puis était capable de mettre bandits en déroute. Entre temps, moun dans la zone n'en commence à ramasser tout ça au gain, courir qui des zones n'en. Et parce que yo pas joindre aucun policier qui affecté dans sous-commissariat pour t'empêcher bandi et savant pistachio yo même fait ça pour faire on a parlé que c'est nègre Gravigno qui traversait dans zone dans savant pistache jusqu'à présent c'est monsieur Sayo joint support gang Timakaklan qui a opéré dans zone la boule toujours dans ça gain pour avec information yo l'autre point dominé actualité nous pour aller dans département sud-est pays situation après être déjà difficile et même grave même dans ville Gonaïve vendredi t'a gain un prisonnier qui était mort
dans l'hôpital, dans plutôt dans prison civile la Gonaïve là, eh bien dans dernier jour ça yo prisonnier parce que soit dans perdu la vie yo dans sortie date 29 novembre privé 3 décembre 2022 t'a gagné 9 prisonniers qui mouri dans prison civile Jacques Mel. Prisonnier ça yo fait partie dont trentaine prisonniers qui malade grave d'après Jean Jeudi qui c'est coordonnateur organisation qui a défendre droit moun dans cité Makaya ville Jacques Mel. Moun ça yo t'a surtout à vivre avec t'a souffrir avec déshydratation sévère. Ça avait dit que pas une l'eau pour yo bre yo anémie yo pas gen sang donc gen même qui présenter signe choléra c'est quelque nan cause yo gen pas manger tout c'est quelque nan cause qui t'a joine la mort plusieurs prisonniers d'après Jean Jeudi qui mandé intervention autorité au plus haut niveau dans l'état pour éviter l'autre monde nan t'a perdu la vie dans cette carcérale ça on l'autre côté gen un assis criminel sa jury qui prévoit qu'a commencer 6 ça privé 20 décembre qu'a vinn là nan Jacques Mel 17 cas gain pour tendre à ce monde ça ont accusé comme monde qui dans association malfaite vol amé avec l'autre chef accusation d'après information qui t'a une joine. Commissaire divisionnaire Jean-Bruce Samiantil installé samedi 3 décembre 2022 à en tête direction départementale police dans la Tibonite, il remplacé Ralph Dominique qui transféré dans Port-au-Prince. La police dans Pétionville a arrêté madame gros chef gang qui fait partie de groupe gang Vite l'homme donc arrestation ça rentré dans cadre opération la police a mené pour démanteler gang yo dans Port-au-Prince. Gen ancien ambassadrice pays d'Haïti et pays États-Unis en pays d'Haïti Pamela Wright qui mandé pour ta déployer bien vite 2000 soldats américains compte tenu gravité situation dans pays d'Haïti. Gagné un agent police BLTS qui t'a mouri vendredi passé en cet anega exam dans zone quoi des bouquets qui t'a fait action si là juge instruction Guimité l'a libéré pour un titan. Trois acteurs dans le système éducatif là dans le département de la Tibonite qui étaient en bas code pour fraude dans l'examen d'état parmi eux DJ Pierre qui est directeur en après éducation. En novembre pour arriver mois de décembre tu as déjà gagné 9 prisonniers qui mourir dans prison civile là Jacques Mel tu as gagné 2 tout qui t'a perdu la vie dans prison civile Gonaïve. Nouvelle là c'est qui ça et Blaise c'est opération li toujours et a mené dans niveau et 9e section communale dans zone comme sont cité pour là c'est autrice sous ce matelas et puis titan hein, la police mettait pied à terre depuis environ 6 heures hier après-midi toute la nuit là jusqu'à matin là opération a mené que plusieurs bandits qui tombaient qui étaient blessés même pour qu'on ait un chiffre officiel pour communiquer et amis et auditoire et journal Mega Matin. Faut nous dire hier la police menait une opération dans niveau 9e section communale Cabaret dans zone Lafito Minoterie et puis et sous matelas c'est opération qui fait toute la nuit là d'après les premières informations qu'il y a plusieurs et bandits qui tombaient et qui en pile tout et qui blessés et blessés dans cadre opération ça et puis la police avec matériel Angelo qui a gagné pendant opération yo facilité yo bouché plusieurs trous bandioté et mettez dans zone là yo façon pour la police pas capable atteigne en pile balle chanté hier dimanche là dans Carrefour côté en bandi dans quartier Garavine pour l'autre fois encore t'est envahi diverses localités dans Carrefour surtout zone Savane Pistache côté monsieur ça arrivé bouler plusieurs cailles. Poko get kop détail pour connait est-ce que moun qui mouri mais n'a prendre que plusieurs moun qui sont blessés moun nan kati Carrefour savan pissage précisément Caridad yo même yo obligé té hier soir passer un mauvais moment couché à té plate hein souvent yo en bas cabane ça té getan gè chance pour quitter zone nan pour quitter mais ça pas gè chance c'est veille de ta fait hier soir tellement coup bal tab chanté énerg yo piqué difé dans divers kay dans zone si là selon et en pile citoyen qui même t'a lancé alerte t'a lancé SOS bon côté divers journalistes en pile monde tout est obligé quitter quartier ça yo pour empêcher aux victimes babal bandi dans quartier Grand Ravine mais n'a fait qu'on est tout samedi qui était exactement et 3 décembre mais gain plusieurs milliers moun dans différentes localités en deux dans Carrefour fait pas oublier Carrefour fait c'est 25 quartiers qui bon gros bloc ça mais moun 25 quartiers ça t'est marché
marché dans deuxième circonscription Port-au-Prince, sorti place Jérémy Poilboute devant DDO, qui trouvait la sous Chalbassa pour aller mander avec responsable de la police, pour capable prendre toute disposition pour empêcher Carrefour-Feuille, deuxième nan que Negaxam envahi, prend sous contrôle. En écouter quelques protestataires dans le micro la presse. Petit à petit, Carrefour fait 23 jours dans Maron, 23 jours petit, nous pas à l'aise, 23 jours dans Bassevo qui donne 50 gouttes. N'a pas d'amis dans la zé, nous qui nous mouillons, nous pas à jouer le cadavre, 23 jours. Nous m'avons 5 coups pour savoir qu'il sache, 5 coups pour Carrefour fait, nous baissons à l'aise, à bagang, nous pas gang sérieuse, c'est mon foie avec Carrefour, c'est mon foie avec Carrefour fait, nous à l'école, nous à fin de métier. Nous n'avons pas de finale, parce que moi, je vous ai fait combien de jours, et là, là, je m'a dormi. Mais hier soir, nous on va aller encore. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous qui sommes venus dans son nom, nous disons dehors, nous sommes nous bouquets, nous n'avons pas encore. Je viens faire 23 jours, depuis là que la situation ça arrive une pime en commun dans le niveau Carrefour. Donc, si toi, on continue à victime de balles perdues, on ne peut pas être obligé de quitter la caillou. On pas qu'être nous obligé à vivre dans l'école sous place publique, alors que sous l'État. Donc, je nous penser que la police nationale d'Haïti qui est responsable pour le protéger et servir. Donc, je dis à une obligation pour vos yeux garder ce qui a passé en dehors de Carrefour. La troupe, vous ne pas de vous de il y a 250 000 personnes qui vivent dans l'école. Et ça, c'est ce que vous avez fait. Pour vous dire, nous ne sommes pas d'accord pour 300 personnes. Et voilà, ça c'est déclaration, mais ça c'est voix, cri divers habitants dans quartier Carrefour-Feuille, Jean Sodilan, qui samedi, alors samedi avant même hier dimanche, que Neg envahit diverses localités dans Carrefour-Feuille, tant que Carida, dans Savane Pistache, mais samedi, t'es déjà, t'es un mouvement qui est fait dans deuxième circonscription Port-au-Prince, précisément, sorti zone place Jérémy pour Albout Douvan, direction départementale Ouest Police, des DDO, qui devait chercher de basse côté, eh bien, habitant dans le quartier Carrefour-Feuille, t'as demandé avec responsable dans la police pour capable prendre toute responsabilité pour empêcher Negaxam envahir deuxième nan, empêcher Negaxam prendre contrôle deuxième circonscription Port-au-Prince. La fait qu'on essaie habitant dans zone qui ont même qui monté la garde, qui a essayé de garder comment capable empêcher avec Negaxam envahir deuxième circonscription Port-au-Prince. Et nous connaissons déjà, non censé gagner pote, nous prenons 3-4 semaines depuis que Negaxam a pas de problème dans zone ça et qui déjà la cause, gen moun qui perdu la vie, gen moun qui blessé, gen divers moun qui perdu caillou qui boulé, rapidité en bas action bandit dans zone ci là. N'a pas pour aller avec arrestation la police fait pendant dernier jour ça yo gen Jean Elmita qui c'est madame Tigabien c'est connu ainsi connu qui c'est un membre gang qui gen en tête. Vite l'homme dans Torsel, la police arrêté dans Peigné, zone qui située dans la commune Pétionville. Elmita arrêté pour implication présumée dans Zak banditisme. Parmi eux, assassinat policier, kidnapping et association malfaiteur. Les actuellement dans garde à vue poursuite judiciaire nécessaire. La police nationale d'Haïti, dans le cadre d'exécution, nouveau plan sécurité, a accéléré l'opération dans l'idée pour démanteler les foyers gangs qui a évolué tout partout en d'un pays. Toujours arrêté sur la police nationale d'Haïti, posé la patte son groupe membre gang Savien, selon Saoudi, un membre influent. Réseau gang Savien, monsieur et les Jean Sylvain, les gars 27 l'année sous le bois tête, la police nationale d'Haïti a arrêté monsieur, eh bien, pendant le week-end là, non côté que les Mouroudouettes, hein, Mouroudouettes, une localité qui trouvait l'antiri vers la Tibonite, eh bien, tout ça qui est les Jean Sylvain, monsieur Sénèg, Grande Saline, mais c'est un patron police qui t'a opéré dans ses macas, qui t'a fouillé, j'ai gardé dans ses macas, qui posait la patte sous, citoyen ça qui est les Jean Sylvain, qui gagne 27 l'année sous tête, les jeunes hein. Monsieur qui c'est membre influent groupe gang Savien qui a des problèmes dans Tirivière la Tibonite. Après tout le route de frère, la police interpellée pendant le week-end, gagne Fedi Pierre avec le grand Enol. Fedi Pierre qui gagne 22 l'année, le grand Enol qui gagne 23 l'année, c'est membre actif gang qui gagne en tête li vite l'homme qui basé dans Torsel, spécialisé dans volet examen et puis enlèvement assassinat.
Fédi Pierre fait à Port-au-Prince et puis le grand Enol fait dans Pétionville. Yo tap vive dans Pernier 38. La police a arrêté yo à ses forces l'audio na Pernier à Carrefour à Saint-Clair. Yo arrêté tous les deux monsieur Sayo pas trop loin Académie nationale police là. Zak criminalité qu'a fait dans région métropolitaine Port-au-Prince là, n'a fonti retourner là à Athènes au niveau centre-ville Port-au-Prince que n'a prendre pendant week-end là, gagon ka kidnapping qui fait dans zone Riel Vague. Riel Vague sur localité. Alors, c'est un bloc, un rue qui trouvait dans la zone rue Capois, zone Sayo, zone pas peu de choses. Eh bien, mais Axam kidnappé pendant le week-end là. Deux monde kidnappé, dit environ deux après-midi. Axam dans la machine débarqué dans la zone complexe médicale Elohim et puis Jérusalem Hôtel, entre deux zones Sayo, entre deux institutions Sayo. Vendredi 10 décembre, non, mais nèg débarqué pendant le week-end, mais posé la patte sur mon kidnappé dans zone Riel Vague. Mais n'affaire qu'on est Riel Vague là, c'est pas première fois cas de kidnapping à répéter dans zone Riel Vague. Nous songeons, nous souhaitons l'air où tu es kidnappé docteur Pierre Pierre, m'a dans zone ça. Il était kidnappé ton mécanicien dans bloc là, et souvent fois les kidnappings fait dans bloc ça, habitant dans Riel Vague n'a pas peu de choses souvent faire de mouvements protestation pour capable exiger libération. C'est là, n'a dit bien, mais c'est za kidnapping qui retournait à répéter en force, retourne à répéter dans diverses rues, dans diverses localités, divers blocs, dans pas peu de choses en disant, et bien, week-end ça se passe là, mais les gars, ils kidnappé deux mouns dans machine qui trouvaient dans zone complexe médical Elohim à K-Hôtel Jérusalem qui est dans le bloc Rielvag. Nous poursuivons avec information. Nous t'ai annoncé ça dans notre site journal la gain directeur central police administrative l'inspecteur général Joanny Caneus qui est installé samedi 3 décembre dans commissaire divisionnaire Bruce Myrtil la tête direction départementale la Tibonite. Bruce Myrtil remplacé dans poste ça commissaire divisionnaire Ralph Dominique qui l'intervention pour mettre pour travail la tête collée avec toute institution police qui a évolué dans département dans l'idée pour lutter contre violence groupe nèg exam la fait dans niveau principal axe routier. Nous avons tout gardé ça là avec nous là, nous prêts à venir avec information concernant et nouvelle ça là gagne commissaire gouvernement à Port-au-Prince là maître Jacques Lafontaine qui lui-même réagit là met ton note démenti dehors pour démentir information qui fait quoi là que l'État a libéré un certain de Albert Stevenson alias Juma. Ben on regarde rapidement dans notre démenti formel ça que commissaire gouvernement à Port-au-Prince là maître Jacques Lafontaine mettait dehors ministère justice que sécurité publique paquet tribunal civil Port-au-Prince en date quitté 3 décembre 2022 note de pour démentir ça information qui a circulé sur tout réseau social lui fait quoi que commissaire gouvernement près tribunal première instance Port-au-Prince maître Jacques Lafontaine l'ita procédé à Xanili libération certain de Albert Stevenson alias Juma qui est même dans prison Pétionville dans prison civile Port-au-Prince on dit bien dans date qui est à 2 décembre 2022 qui donc il a libéré citoyen ça mais commissaire gouvernement lui rappeler avec attention tout le monde population hein, mais que note ça que limité de l'organe public là pour l'annoncer mais pour le faire connaître que sous plan action que lien que gain avec politique pénale gouvernement qui donc lui-même là pour l'appliquer politique pénale gouvernement que lui-même lui représenter comme commissaire gouvernement il y engage il l'a engagé pour la bataille contre question banditis en pays et pour rapoussible tout auteur co-auteur tout monde qui complice dans question et association malfectaire qui au même cap fait un ensemble de vie action dans société ya pour traduit moun sa yo devant la justice ce qui donc lui-même n'est pas entré dans cause ça commissaire gouvernement Port-au-Prince pour un démenti formel avec déclaration ça qu'a fait yo déclaration mensongère que il qualifié c'est menti que yo yé pendant que li fait connait ces déclarations ça yo c'est pour sale image justice paysan et pour sa image que lui-même comme
autorité judiciaire. C'est ça qui dit dans notre démenti ça que le commissaire gouvernement Port-au-Prince qui s'est mettre Jacques Lafontaine mettait dehors. Il démenti information qui fait quoi que lui est à libérer Albert Stevenson alias Juma selon ça en pile monde yo même a dit n'a fait qu'on est Juma c'est un chef Genève en famille et allié qui a dirigé Simon Pelé d'après éléments information qui donc mais information qui fait quoi que le commissaire gouvernement Port-au-Prince Jacques Lafontaine t'a libéré citoyen ça mais commissaire gouvernement les démenti information ça dit pas gain sa pièce li pas libéré aucun présumé bandit au contraire il est engagé pour le travail pour permettre que mais justice payant et quel que soit monde qui au même cap bah, problème dans société ya, pour le traduire devant autorité et compétente n'a toujours été dans information ça nous pral venir avec ancien ambassadeur bien ancienne ambassadrice Cindy Consa Pamela Ann White qui lui-même réagit sur situation en Haïti a connait dernier temps si là yo en Haïti un bien petit monde qui jodi là qui blessé en babal bandi yo consigné à allonger sous do cabane l'hôpital selon ça qui dit pendant mois octobre 2021 à septembre à date mais garde côte yo censé là intercepté 7000 moun contre 1527 pendant 12 mois qui t'est passé avant yo qui donc situation en Haïti a poussé ensemble moun qui t'est payant pour aller chercher la vie de l'autre côté mais autorité de l'autre pays yo pas suspendre arrêté yo ben ça cap moun dans la mer soit sous les Bahamas ça Dominique a maltraité gang cap goumé nan mitan yo gang cap touyer mari hein cap tuer mari devant madame yo et cap violer madame devant mari yo maman qui a perdu petit yo maman cap garder petit yo cap prend balle petit yo cap souffrir devant les gars zam mais choléra qui a fait la rage en un pays ti bébé cap prend balle mais presque toute rue en un pays là surtout dans région métropolitaine Port-au-Prince sont question mouvement protestation c'est question les gars zam c'est kidnapping c'est assassinat tout ça yo c'est des situations qui a passé en un pays à que pas à noir mettait accent sur lui. Il y a presque 20 000 moun qui menacé là, presque 20 000 moun qui risquaient tomber là, mourir grand goût mourir la fin. Il y a 2,9 millions moun qui presque sans cette situation là mal cap vivre avec une question malnutrition aiguë. J'avais dit moun ça regardez grand goût enragé. Il y a presque 2 millions cap souffrir avec malnutrition qui dans dernier niveau. Gen malnutrition, mais malnutrition dans des derniers niveaux. Gen 2 millions qui a vivent avec une question de malnutrition très aiguë, dernier niveau. Mais qui, je dis là, gagne question manger qui t'a doué joindre, Mais, lui paraît très difficile. Et moun sa yo, nan tant qu'à venir là, risqué perdre la vie yo. Mais lui clair que, ben, pas aucun sentiment d'urgence, bon côté, ou ensemble média, aux États-Unis, ou ensemble de acteurs politiques aux États-Unis. Qui donc, selon Pamela Ann White, les trouvé que, ou ensemble médias aux États-Unis, ou ensemble acteurs politiques aux États-Unis, yo ça s'est fermé, yo sous situation, ça yo, que Haïti a fait face, non. Et situation, ça qui paraît très compliquée, et qui, je dis à la mandé en pile attention, mandé en pile acte, en pile, et en dit action posée. Mais action gang yo, mais je dis à la, qui paraît très compliquée, qui peut être en pile dans la société, ya. Non, sans ça. Pamela Anouan, lui-même, lui fait qu'on est que là, t'as deux bons convois, 2000 soldats qui t'as dû arriver pour accompagner de convois qui a pour te manger, pour te besoin by moun qui eux-mêmes dans une situation très difficile en Haïti. Qui donc, pour protéger convoi ça, pour protéger aide ça que t'as dû porter pour Haïti, surtout moun qui dans une situation difficile ça, mais lui parle que faut t'a gagner normalement ou possibilité de 2000 soldats qui t'as dû arriver en Haïti. Mais pendant que l'éclair que je dis en situation ça, selon Pamela Ann White, l'est très compliqué en Haïti et l'est fait appel avec conscience en pile monde, monsieur tous les mêmes comme ancienne ambassadrice en Haïti, mais qui reprochait des médias avec des politiciens États-Unis qui ça s'est fermé les yeux sur ensemble des situations, ça aussi surtout que Haïti a fait face problème gang cap tuer monde la Saint Journée, gang cap tuer mari devant madame yo, gang cap violer ti moun yo devant parents yo, question choléra ensemble le problème ça yo, li senti gion en dit un blackout qui fait beaucoup d'autorité américaine yo sous situation surtout politicien yo, mais elle croit que je dis à gain aide qui doit porter gain support qui doit venir pendant que américain doit gagner de soldats qui t'a doit accompagner qu'on voit ça pour porter aide avec
monde qui a besoin d'Haïti. Nous poursuivons avec une réaction toujours sur question phénomène et sécurité avec LV8 Vicœur qui m'a dit pour qui ça. La police a clamé continue à toucher lorsqu'il n'y a pas qu'à jouer une solution à crise avec phénomène et sécurité. Ça, citoyen ça cap dirigé société civile à Kaye, quoi, population, pas qu'à supporter encore avec force en cette heure de guerre révolution pour sortir pays en calamité liée journée jeudi. Département Trésor États-Unis qui réagit qu'une fois ça beaucoup de parle. Mais États-Unis nous-mêmes qui ajouté là deux leurs politiciens haïtiens dans liste politiciens haïtiens qui ont déjà sanctionné qui ont accusé comme monde qui dans question de trafic illicite de drogue dans question bagarre de drogue et qui a utilisé tout influence pour financer des nègres armés en d'un pays. Mais n'a pas l'air du sénateur Winnie Célestin et ancien sénateur Richard Lénine Hervé Foucan que nous songeait mois passé la OK autorité dans le pays Canada te prend sanction contre yo. Pour qu'on y a, c'est autorité États-Unis qui vient prendre sanction contre deux acteurs ça. Et ça fait déjà quatre acteurs haïtiens qui sont censés là tomber en bas sanction autorité dans le pays États-Unis. Département Trésor, lui-même, dans les États-Unis, dans le cadre d'effort que Washington et à Canada pour capable réprimer violence à gang à la corruption qu'a fait en Haïti, indexé. Actuel sénateur Winnie Célestin qui représente plateau central dans le Sénat République là, qui a acheté une villa de luxe qui coûtait 4,25 millions de dollars dans la communauté Laval, dans le pays Canada, ensemble avec madame, ni membre corps diplomatique pays, qui ça qui soulevait en plus soupçon, en plus l'enquête beaucoup d'autorités dans le pays Canada. Winnie Célestin, qui a longtemps lui-même, les autorités enquêtées aux États-Unis, il tape contrôlé, monsieur. Monsieur était dans le collimateur autorité, et comme d'habitude, il tape veillé, monsieur. Il tape contrôlé, monsieur, mené enquête. Ensemble d'informations concernant tout ça par rapport avec richesse et relation à fait que lui-même les gagnants. Hervé Foucan lui-même, c'était ancien sénateur et représentant du département régional sud dans Palmaïs, qui était représenté, un sénateur représenté sud pays. Le monsieur était arrivé sous pouvoir, sous présidence ancien, alors son ancien président Martelly, et après tremblement de terre qui était frappé en dit Grand Sud, là, on a parlé de août 2021. Selon information, eh bien, Hervé Foucan était utilisé et propre avion lit pour te permettre que prend monde à mener à l'hôpital, venir avec ici, à mener à l'hôpital. Cependant, comme c'est Winnie Célestin, l'activité commerciale, monsieur, il y a longtemps que autorité dans le pays États-Unis a veillé à l'activité, monsieur, a posé question pour qu'on ait ça, monsieur, après comme activité et ça l'appelle comme activité. Qui ça côté le joint moyen pour lui? C'est New Winnie Célestin ensemble avec Richard Hervé Lénine Foucan. Qui c'est deux exemples politiciens haïtiens selon autorité département trésor États-Unis qui corrompu et qui abusé de pouvoir yo, que pour pratiquer ensemble activité question de trafic de drogue dans la région. C'est ça qui était déclaré par côté Brian L. Nelson, sous-secrétaire de Trésor pour terrorisme et renseignement financier. Département Trésor, États-Unis, continue, lui-même, à garder le travail, ça. Fonctionnaire qui corrompu et acteur malveillant qui responsable qui sont trafic illicite de drogue et qui a déstabilisé en Haïti, qui a déstabilisé Haïti. Bureau contrôle, question à voix étrangère dans le département Trésor, déclaré. Les dispositions qui donne information qui montre que Winnie Célestin c'est au monde qui livre qui nous ensemble activité trafic international de drogue et qui utilise position politique li fait drogue sorti Venezuela pour entrer en Haïti et fait sorti Haïti tout pour aller et États-Unis Bahamas ensemble de côté selon ça qui dit bon côté agence là département trésor. Li fait qu'on est. Hervé Foucan lui-même, li engagé l'ensemble activité de trafic international de tout. Et ses propres avions que le gagnant, pour capable de transporter drogue sa yo à travers le sud pays d'Haïti. Selon ça qui déclarait, bon côté communiqué, département trésor là. Foucan, selon ça, il dit, Hervé Foucan, t'as tenté d'utiliser l'influence politique li pour installer un ensemble de monde, un ensemble de postes dans le gouvernement, pour que capable aider faciliter l'activité de trafic de drogue que la fait. Mais ça qui pas répondre moi il faut que jusqu'à présent qui pas répondre qui pas dire rien de tout ça t'a proposé concernant ça ni tout ni c'est laissé selon ça qui dit bon côté article responsable de l'administration Biden accusé membre élite politique et économique pays d'Haïti selon ça on dit cap travail pour
cap financer bay moyen pour que activité gang criminelle en dan pays déstabiliser pays fait chaque jour. Zak kidnapping, zak enlèvement, bloqué pays, bloqué nou yo, bloqué port nou yo. Tout ça yo selon département trésor, yo expliqué que normalement gon ensemble acteurs politiques, gon ensemble acteurs économiques cap financer ça yo. Nan ba jeune garçon zam nan ghetto yo, nan ba auto munition selon ça yo dit. Mais alors que responsable américain yo déclaré publiquement que personne moun pa épané en bas sanction que États-Unis prend là yo. Depuis que ou gagnait, yo gagne information sur, gagne données sur ou, bon mettre tout dit tout ou pas épané selon ça ou dit. Et même à ta de citoyen qui t'a résidé, citoyen et resa qui résidé, qui t'a légal, soit États-Unis, tout dit pour gagner des données, informations sur ou, yo fait qu'on est, y a pris sanction contre tout. Réalité, je dis là, mais gagne pile ou gros cadre, soit qui n'a gouvernement en Haïti, qui États-Unis, qui tout comme si qui a des rapports, ensemble de monde qui a des rapports, dans la question de trafic de drogue, trafic de question de munitions, mais ils ont tout visé là pour tomber en bas sanction la loi, selon ça qui dit à côté, département trésor États-Unis.